C'est le 13e salon du livre et il y a 47 auteurs. Donc ces auteurs viennent de la région parisienne et aussi de la région normande. Le thème du salon du livre, c'est histoire et mémoire. Donc on a choisi des auteurs qui ont écrit sur l'histoire avec leur mémoire. On a plusieurs styles de livres, des romans policiers, des romans d'action et également de plus en plus de romans pour la jeunesse et de bandes dessinées. Alors cet invité d'honneur, c'est Gérard de Cortance qui a eu cette année le prix littéraire du Cotentin. Par ailleurs, il avait eu le prix Renaudot en 2002 et je tenais particulièrement à ce qu'il vienne parce qu'il a écrit un livre sur Louis XVI qui va à Cherbourg et qui m'a vraiment passionnée. Donc je suis très très heureuse d'avoir cet auteur cette année. Cette année, la conférence qu'il a faite est sur son livre et c'était l'histoire de Louis XVI qui va dans le Cotentin et le livre parle particulièrement du Cotentin à l'époque de Louis XVI. Alors j'ai accepté l'invitation parce que bien que d'origine italienne, mon épouse, ton père, est normand. Toute sa famille vient de Cherbourg. Le grand-oncle était chanoine des bénédictines de Valogne. Et donc ça fait 30 ans que nous allons tous les ans en vacances en Normandie. Et la Normandie est devenue un peu comme ma seconde patrie. D'où d'ailleurs le livre sur Louis XVI, qui se passe évidemment en Normandie. Et au départ, ce qui m'intéressait, c'était de parler de la Normandie et de ce roi qui découvre la mer. Bien entendu, c'est devenu autre chose. C'est devenu un livre qui, en quelque sorte, réhabilite les personnages de Louis XVI. Mais le point de départ, pour répondre à votre question, c'était mon amour immodéré pour la Normandie, qui est un peu comme une terre d'adoption. Quelque part, je me sens normand. C'est important pour plein de raisons. La première raison, c'est une raison alors, tout à fait personnelle. C'est-à-dire que, petit garçon, j'ai visité les côtes normandes avec mon grand-père, qui était un Italien qui est devenu français dans les tranchées. Et évidemment, il voulait voir les plages du débarquement. Et je me souviens de mon grand-père absolument en larmes, regardant les plages du débarquement, et surtout Sainte-Mère-Église. Et petit enfant, j'avais une image de l'église que je prenais sans doute pour une basilique, et du parachutiste qui était accroché au clocher, je pensais que c'était un vrai parachutiste. Donc le premier souvenir de Sainte-Mère-Église, pour moi, c'est ça. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un lien étroit, très important, entre l'histoire et la mémoire. Donc la thématique du salon me touche particulièrement. Je pense qu'il ne faut évacuer ni l'histoire, ni la mémoire, et c'est bien de les relier dans une même thématique, c'est-à-dire on n'efface pas l'histoire, on n'efface pas la mémoire. Et la mémoire qui n'a rien à voir avec le souvenir, c'est pas du tout la même chose. Le Salon du Livre qui marque le début des festivités, des commémorations de la guerre, évidemment, 39-45. Hein. Alors, pourquoi cette vraie église? Parce que ce Salon du Livre avait été créé par l'ancienne communauté de communes de Sainte-Mère-Église et que, comme vous le savez, les communautés de communes de Sainte-Mère et de Carentan ont fusionné maintenant pour former la baie du Cotentin. Hier soir, nous avons eu la conférence de M. de Cortance. On essaie de trouver effectivement quelqu'un qui rallie la cause mémorielle et géographique aussi de ce Salon du Livre qui se veut effectivement très proche du territoire. À bientôt sur tevie.tv.